Benalla n'en finit plus de secouer la France. Le collaborateur d'Emmanuel Macron, adjoint au chef de cabinet du président, a été licencié, puis placé en garde à vue et mis en examen dimanche 22 juillet, notamment pour violence en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité et port public et sans droit d'insigne réglementé. À l'origine du scandale, une vidéo publiée le 18 juillet par Le Monde dans laquelle on voit Alexandre Benalla s'en prendre violemment à des manifestants en marge du défilé le 1er mai dernier. Il aurait été mis à pied durant 15 jours par l'Élysée. Depuis, les révélations autour de la situation de ce proche d'Emmanuel Macron se sont multipliées, les polémiques s'enchaînent. Voiture et logement de fonction au Quai Branly, où des travaux d'un montant de 180 000 euros allaient être entamés, grade de lieutenant-colonel, port d'armes, badge d'accès à l'Assemblée, salaire entre 6 000 et 10 000 euros, autant d'avantages surprenants pour un jeune homme de 26 ans. Une situation qui a tout fait de faire éclater les plus folles rumeurs autour de la relation entre le président et Alexandre Benalla. Emmanuel Macron, muré dans le silence depuis le début de l'affaire, s'est finalement exprimé devant des députés mardi 24 juillet. Il a tenu à mettre les points sur les i. S'il cherche un responsable, le seul responsable, c'est moi et moi seul. Alexandre Benalla n'a jamais détenu les codes nucléaires. Alexandre Benalla n'a jamais occupé un 300 mètres carrés à l'Alma. Alexandre Benalla n'a jamais eu un salaire de 10 000 euros. Alexandre Benalla n'a jamais été mon amant, a-t-il précisé. Ce n'est pas la première fois que le chef de l'État dément une rumeur sur sa vie privée. En février 2017, au théâtre Bobino à Paris lors d'un discours improvisé en pleine campagne présidentielle, il avait ironisé sur sa supposée liaison avec l'ancien président de Radio France. Si dans les boucles de mailles, on vous dit que j'ai eu une double vie avec Mathieu Gallet ou qui que ce soit d'autre, c'est mon hologramme qui soudain m'a échappé mais ça ne peut pas être moi, avait-il alors lâché. Crédit photo, Best Images.